fenêtre sur l'emploi, on parle de recrutement. La chasse est ouverte. J'aime beaucoup redire ce titre parce que bon, c'est la chasse évidemment des chasseurs de tête, cela va sans dire. Olivier de Préville, merci d'être avec nous. Président fondateur de Head Hunting Factory, qui est une filiale du groupe OP Search. Merci de venir nous rendre visite. Qu'est-ce que dit le marché aujourd'hui là? Parce qu'on dit que la chasse est ouverte. On nous dit en même temps que le marché des cadres est un peu tendu parce que la crise en Ukraine, parce que les entreprises ont le pied sur le frein. On en est où exactement là? Alors, d'abord, le marché de l'emploi est un marché qui a évolué depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, d'abord, nous sommes dans l'après-Covid, hein, qui est un élément important. Et vous disiez tout à l'heure qu'il pourrait éventuellement y avoir un nouveau Covid à l'automne. Mmh. En tant qu'entrepreneur, on essaie de pas trop y penser. Il y a une association d'ailleurs qui travaille beaucoup sur le sujet des entrepreneurs en croissance, qui est Croissance Plus, oui, à laquelle j'appartiens. Donc le marché de l'emploi aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a deux marchés de l'emploi. Il y a ce qu'on appelle le marché visible et le marché caché. Mmh. Vous allez sur le marché caché, hein? Nous, on va sur le marché caché en tant que chasseur de tête. Donc on appelle, hein? Exactement, je vais vous expliquer. Le marché visible, c'est quoi? Le marché visible, c'est un candidat qui répond à une annonce, qui répond à une CVTech, à un in-mail, job board, etc. Mmh. Et finalement, un candidat qui est en attente. Ça ne veut pas dire qu'il est demandeur, ça veut dire qu'il est en attente et que si, de temps en temps, il regarde un petit peu le marché et s'il y a quelque chose, il y répond. Donc, identifié, il s'est identifié. Il s'est lui-même identifié et répond occasionnellement. Bon, donc, le recruteur peut aller le trouver. Le marché caché, il est de plus en plus important, c'est-à-dire ce sont les candidats qui sont plutôt bien. Plutôt bien, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aujourd'hui aucun candidat, aucun salarié, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, aucun salarié n'est bien à 100% dans son entreprise. On trouve toujours, vous le premier peut-être. Oui, bien sûr, tout le monde. Toujours, c'est assez logique. Exactement. Il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Voilà, donc pour autant, vous n'êtes pas en recherche, mais si un chasseur vient vous appeler, 50% des candidats, on le voit, nous disent, écoutez, merci de m'avoir appelé, mais je ne suis pas du tout à l'écoute, donc passez votre chemin. Mais 50%. Et 50% disent, je ne suis pas en recherche, je ne regarde pas les annonces, mais vous avez bien fait de m'appeler. Donc, mais oui, et dites-moi ce que vous avez à me dire. Voilà, et sur ces 50%, en tout cas chez nous, en tant que chasseur de tête, un quart est présenté finalement au client. C'est-à-dire que nous présentons... C'est un bon pourcentage, hein ? Oui, ça veut dire que 100% des candidats que nous présentons au client sont des candidats qui n'étaient pas en recherche. Que vous 100%. Avez donc arraché de leur poste. Qu'on a même réveillé. J'aime bien dire que réveillé, ce sont souvent des candidats endormis et que qui hibernent, qui finalement... Vous allumez la mèche, en fait, là. Exactement. Et ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on a allumé la mèche, on les a réveillés et finalement, ces candidats deviennent demandeurs si ça n'aboutit pas sur le poste pour lequel on est allé chercher. Sur ce marché caché, mettons de côté ceux qui se sont identifiés, dont on dit que le marché des cadres se tend un peu, il est toujours très, très, très dynamique, ce marché caché, parce qu'après tout, il y a des secteurs en pénurie, parce que j'imagine que vous recherchez dans les secteurs en pénurie, on a quand même besoin de cadres, quoi qu'il arrive, même si le marché se ralentit un peu. Quand vous demandez à un DRH quel est l'état du marché, il vous dit qu'il n'y a pas de candidat. Ce n'est pas vrai. Oui. C'est un peu comme les pêcheurs, les RH, parfois. Ça ne mord jamais. Des pêcheurs, mais ça ne mord jamais. Non, mais c'est drôle que vous preniez cette métaphore, parce que nous, on l'utilise chez Head Hunting Factory. Le recruteur, c'est quelqu'un qui est avec sa canne à pêche et qui attend que ça morde. Si ça se trouve, l'hameçon est au mauvais endroit, donc il n'y aura pas de poisson, et il peut attendre longtemps. Le chasseur de tête, c'est quelqu'un qui prend qui se déplace. Son tuba, qui descend et qui va directement là où il veut. Donc, il n'y a pas de marché pénurique en tant que tel. Il y a de plus en plus de candidats qui ne répondent plus. Donc, soit vous vous contentez d'attendre qu'ils répondent alors qu'ils ne répondent pas, vous pouvez attendre longtemps, soit vous allez directement les chercher. Dans ce cas-là, il faut passer par la chasse de tête. Juste, Olivier, c'est important. On a compris que c'était le téléphone. Mais tous les moyens sont bons. Excusez-moi pour rentrer un tout petit peu dans les détails, puisqu'on parle souvent de chasse de tête, mais téléphone, réseau, Internet, café, lieu, pas Internet, restaurant. Pas Internet, pas réseau, pas café, pas restaurant. Donc la chasse de tête, c'est quoi? La chasse de tête, c'est j'identifie une entreprise qui m'intéresse dans la zone correspondant à mon client, dans la région correspondant à mon client, dans le secteur correspondant au secteur de mon client. J'identifie une entreprise. Je rentre dans l'entreprise, je recrée l'organigramme qui n'existe pas, j'identifie qui fait quoi derrière la fonction qui m'intéresse, je trouve son nom, je trouve son portable et je l'appelle. D'accord, donc vous l'appelez. Que du téléphone, que de la chasse pure. La vraie chasse de tête, il ne faut pas confondre chasse de tête et approche directe. D'accord. L'approche directe, c'est je vais sur LinkedIn et puis je regarde s'il y a des candidats. La chasse de tête,
c'est je fais abstraction de donc c'est une vraie cible d'information que vous avez bien identifiée. Exactement. C'est vraiment de la on parlait de chasse tout à l'heure. Alors, non, mais vous tirez pas n'importe quoi, vous visez juste. Extrêmement ciblé. Extrêmement ciblé. Les secteurs, aujourd'hui, c'est intéressant aussi de vous entendre. Quels sont vos clients qui vous disent, moi, j'ai vraiment besoin tout de suite. C'est quoi les secteurs, la sous-tension où vous êtes en train de chasser là? Chez Identic Factory, on est généraliste. J'ai 120 salariés. On sera 180 à la fin de l'année. On a une énorme croissance parce que vous imaginez bien que les clients viennent nous voir en disant, trouvez-vous, urgez-nous des candidats pénuriques. Et donc, de ce fait, on est totalement généraliste, multisecteur. Donc, on a finalement il y a quand même des secteurs où il y a plus de tensions. Bien sûr. Donc on a eu une représentation, j'allais dire, du panel marché qui est assez large de ce fait. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est dans l'industrie, ce sont toutes les fonctions de maintenance, les fonctions high-tech, les fonctions commerciales dans les services et ailleurs, les fonctions médicales. Dans les fonctions médicales, si on descend de médical, plus précise, médecins. Ah oui. Infirmière de bloc opératoire, aide-soignante. Ça, c'est un peu nouveau quand même comme type de chasse, parce qu'avant, on ne chassait pas les médecins. Exactement. Alors, pourquoi c'est un peu nouveau? Parce que Head Hunting est le seul cabinet de chasse en Europe, on n'a pas de concurrent, à faire de la chasse sur des postes de 25 000 euros de salaire au démarrage jusqu'à 70 000. Donc, des salaires un peu plus bas que la moyenne des postes que vous chassez d'habitude. Exactement. Vous parliez d'OP Search tout à l'heure. OP Search, c'est tous les postes à plus de 80 000. Donc, c'est un autre marché que vous allez chercher. C'est le marché plus classique des dirigeants, mais donc 25 000, c'est quoi? C'est aide-soignante? C'est infirmière? Alors, 25 000, ce sont des techniciens de maintenance, des chaudronniers, des commerciaux, avec une base fixe et un variable derrière. Ce sont 30, 40, 50, 60 000 euros. Ce sont toutes les fonctions. 75% des fonctions pénuriques aujourd'hui sont à moins de 70 000 euros. 75%. D'ailleurs, avant de nous quitter, c'est quoi le délai, puisque vous avez parlé d'un ciblage, c'est vraiment très précis, hein, vous posez vraiment une petite, puis vous envoyez le missile, pour faire une métaphore horrible, entre le moment où vous allez identifier, préparer, cibler, téléphoner, et le moment où vous allez emmener ce candidat dans l'entreprise. Parce que c'est quand même pas rien tout ça. Non, on dit souvent aux clients qu'il faut anticiper son recrutement en chasse de tête. Anticiper, 8 semaines. Minimum. On va dire une moyenne de 8 semaines pour avoir suffisamment de candidats à embaucher. Donc, si vous avez un besoin en recrutement, anticipez-le, n'attendez pas, n'espérez pas avoir un candidat en 15 jours. Ce n'est pas de la magie, il faut aller les chercher, c'est un vrai travail. Il faut lui donner envie avec un salaire, avec des propositions alléchantes quand même. Oui, mais pas nécessairement, c'est fini ça. Il y a une quinzaine d'années, ça fait 30 ans que je fais ce métier, il y a 15 ans, ou même il y a encore 10 ans, le salaire était critère numéro 1 chez les candidats, c'est aujourd'hui critère numéro 3. Hein. Le 1, c'est quoi avant de nous quitter? C'est ce dont vous parlez avec tout le monde, le c'est bien-être. C'est l'endroit où je travaille, c'est la possibilité d'avoir du télétravail si possible. C'est ça, c'est tout ce qui est autour du poste. Exactement. Merci Olivier de Préville de nous avoir éclairé sur ce métier de chasseur de tête qui est quand même un métier de très très fin, d'orfèvrerie. Fondateur de Head Hunting qui est une filiale du groupe OP Search. 140, vous arrivez à 180 collaborateurs. Ils recherchent des collaborateurs. Hein, donc, j'en recherche 80. 80, donc vous recrutez. Voilà, c'est un double sujet. Et tout le monde salarié. Et tout le monde salarié, que les choses soient claires. Merci de nous avoir rendu visite et vous êtes membre de Croissance Plus. Par ailleurs, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi, c'était un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Alex au son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.